Mais où se trouve donc ce fameux pilori? Il n'y a jamais eu de pilori sur la place du pilori à Écossine-Lalanne. Celui-ci était en réalité dressé sur la place des Martyrs, à quelques mètres de là. Il se trouvait en face de l'ex-maison du bourgmestre et à proximité de l'actuel monument aux morts. Les historiens locaux s'accordent à penser que ce pilori, symbole du pouvoir seigneurial par excellence, a été détruit juste après la Révolution. Les pièces qui le composaient ont vraisemblablement été destinées à la construction de divers bâtiments. Le souci, semble-t-il, est qu'on amalgame le pilori et le gibet. Jusqu'à la Révolution française, un gibet, ou une potence, était un instrument généralement en bois employé pour l'exécution par pendaison. On le plaçait souvent dans les champs, à l'extérieur du village, mais le long d'un chemin fréquenté. Les cadavres y demeuraient jusqu'à leur décomposition. Le pilori était par contre un poteau percé de trous pour y coincer la tête et les mains du coupable d'une quelconque transgression de la loi. Le supplicié était ainsi exposé et soumis au mépris du peuple. Dans le Valvert numéro 109 du premier trimestre de l'année 2000, l'abbé Léon Jousse note que Marcel Tricot, que l'on sait très coquin, avait un jour prétendu dans la Sénette que le pilori d'Écossine-Lalanne avait été cédé au cercle archéologique de Soigny. Et pourtant, ce pilori aurait bel et bien existé, poursuit l'abbé Jousse, mais pas sur la place du pilori. Un obit préservé dans les archives de la paroisse de Lalanne indique en 1792 que la propriétaire de l'imposante demeure, toujours située près du monument aux morts sur la place des Martyrs, avait hypothéqué sa maison 6 vis-à-vis du pilori.